Let's go! Et on se retrouve, vous ne rêvez pas, regardez bien l'écran, nous sommes sur Clash Royale et au programme de cette vidéo les amis, un énorme pack opening avec toutes les récompenses de level. Putain wesh, il y a une poussière, c'est bon, elle est plus là. Sachant que je suis level 14, j'ai tout ça récupéré, alors je me rends pas compte si c'est bien ou pas les gars. Les gars, est-ce que c'est énorme ça comme pack opening ou genre c'est merguez? Ce qu'on peut faire après l'opening de tous ces coffres, j'ai 8484 V-Bucks, on peut se faire un méga pack opening. Du coup, les amis, on attaque l'opening. Apparemment, on m'a dit dans l'oreillette que je devrais recevoir un paquet d'or pour l'ouverture de tous ces coffres. Bah du coup, on y va, on perd pas de temps. Comment ça marche? Ah, j'appuie en haut. Ok, j'ai juste appuyé en haut pour récupérer mon coffre. 50 gemmes, on prend. 7 chevaliers. Oh, les dragons squelettes, ça je les ai jamais joués. On enchaîne avec les petits recrues royales, la machine volante et... ce sera tout. Après c'est le tout premier coffre, donc je pense que les tout premiers ils sont pas ouf. Ça devrait augmenter au fur et à mesure et on le voit. 750 d'or, 50 gemmes, 5 électrospirites, le colis royal. Je connais pas du tout cette carte, on voit que je l'ai uniquement level. Des dragons squelettes, ça je pense on va beaucoup les débloquer vu qu'ils sont bas level. Cash goblin, ok. Niveau 4, au total donc c'est 14 coffres. 1000 pièces d'or, ah c'est un peu mieux. Oh, les premiers jokers, carte commune, on enchaîne avec de l'électro-esprit, la méga gargouille et du clonage. Pire et pire. Je sais pas si clonage c'est joué en ce moment. C'est parti. On commence avec 1500 pièces, 50 gemmes. On enchaîne avec 107 colliers royal, 38 cabanes, 2 gobelins. Oh, légendaire, légendaire les gars. Let's go, s'il te plaît la nouvelle, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, le mineur. Du coup, 2000 pièces d'or. 2000 pièces d'or. On enchaîne avec de l'artificière, ok. L'électro-esprit, golem d'élixir et des sapeurs. Coffre, level 7. 3800 pièces, wesh. Ah, c'est les jokers légendaires. C'est pour améliorer les cartes, les jokers. Et gratuitement. Oh, mais je devrais utiliser ça pour les améliorer, vu que j'en ai plein. Ok, 7 miroirs, ça c'est complètement déglingue. On enchaîne, level 8. Après, quoique, peut-être que la méta a changé et que c'est bien maintenant, je sais pas. 4500 pièces, j'avoue, on gagne de plus en plus de pièces. 75 séismes. 9 rages. Petite légendaire. Peut-être un champion. Une légendaire, s'il te plaît, la nouvelle, la sorcière joufflue. Le zap, bordel. Prochain coffre, 5300 pièces, 50 gemmas. On enchaîne avec des jokers épiques, c'est bien, on prend du colis royal, du séisme et s'il te plaît. J'arrive pas à voir la nouvelle légendaire, c'est un truc de fou. Ok, on récupère un molosse, 9 sur 10. Coffre de level 10, alors là normalement les gars c'est du sérieux. 6050 gemmes encore, putain on a beaucoup de gemmes. Du joker rare, du gang de gobelins, du balloon. Allez s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Coffre de niveau 11, 7500 pièces, 50 gemmes, 360, qui mange des jambons beurre le matin, enfin je sais même pas le dire, des jambons beurre le matin, dites-moi ça dans l'espace commentaire, qui se tape un jambon beurre? Moi j'ai déjà vu quelqu'un manger un sandwich jambon beurre dès le matin, en mode normal, breakfast. Qu'est-ce qu'on va avoir après cette guérisseuse armée? Du gobelin géant, ça je prends, j'aime bien cette carte personnellement, je la trouve très sympa, un tank qui rush la tour et qui fait du dégât sur les troupes, et on enchaîne, s'il te plaît la sorcière joufflue. Mais gros c'est trop. Elle est impossible à débloquer. C'est trop. Wesh. Wow, wow. Ah, c'est les jokers. Con. J'y ai cru. Ok, du joker légendaire, on prend. De l'esprit de glace, on prend. Du Kirikou, les amis. Du Kirikou, on prend. Ah putain, y a pas de légendaire. Électro-géant. C'est bien l'électro-géant? Je sais pas trop si c'est bien en vrai. Eh, il a une tête. Oh, j'ai une illumination, les gars. Il a une tête à s'appeler Hamoud. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a une tête à s'appeler Hamoud. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? 11 000 pièces, ouais c'est pas ouf hein, je m'attendais à plus de pièces. Oh, 540 colliers royal, 188 roquettes, on prend. On a une légendaire, 21 golems, bientôt le golem de niveau max. Let's go et s'il te plaît, la sorcière raciste. C'est comme ça qu'on dit, non? Apparemment, il y a une ref, je sais pas c'est quoi cette histoire de raciste. Mais en vrai, je voulais moi la sorcière joufflue, j'ai une sorcière, la sorcière de la nuit. 5 sur 10, on prend, et le dernier coffre, le coffre de niveau 14, 12 000 pièces, 50 gemmes, ok, du joker commune, 200 béliers portugais, on prend, on enchaîne avec 23 bourreaux, par contre on a du lourd là, on a du lourd les gars, double clignoting, s'il te plaît la sorcière joufflue. Oh oui, le champion, c'est vrai qu'il y a un champion garanti je crois. Ok, la reine des archers c'est bien, c'est très bien, let's go. 2 sur... bah c'est terminé, la marche du roi pour moi c'est totalement terminé. Mais c'est pas terminé en vrai, parce que j'ai d'autres récompenses à récupérer ici. 4250 pièces d'or pourquoi. Ici on a le choix entre le golem d'élixir, il est joué quand même hein. Je trouve qu'il est pas mal joué, je le croise assez souvent.
Bon, rage ou bourreau, les gars, le choix est vite fait. La question, elle est vite répondue. Ici, on a un joker. Non, mais me dites pas que je débloquais pas la sorcière joufflue parce que j'ai pas été ici. Non, je pense pas. Je pense pas. Oh, si c'est ça, si c'est parce que j'ai pas débloqué mes rues, que je l'ai pas paqué, je vais devenir fou. Ok, on récupère ça. Un jeton épique. Ok, c'est un jeton d'échange. On prend. Et c'est terminé. Ok, on a tout récupéré. Mais c'est pas terminé. Pourquoi? Ici, on a un petit coffre en or et on a surtout un méga coffre qu'on va ouvrir juste après. Donc, du squelette, ok, et du géant. On prend. Attendez, il y a peut-être moyen. Hein. Pouh! Let's go! Légendaire dans le coffre magique. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Le petit sapeur et, s'il te plaît, la sorcière joufflue. Oui, le Zizicopter! Mais oui, putain, qu'est-ce que je suis con! C'est vrai que j'appelais cette carte le Zizicopter! Désolé, parce qu'en gros, il y a le chat qui est là pour m'aider, parce que cette vidéo que vous voyez, elle est diffusée en live, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour pas rater les prochains lives. Suivez-moi également sur les réseaux, Insta, Twitter, tout est en description. Et c'est vrai que j'appelais cette carte le Zizicopter. Zappy, putain, vas-y, je suis abonné au Zappy, hein. C'est un truc de fou, ça. C'est vraiment un truc de fou. Ok, bon, c'est quand même une légende. Bon, j'ai quand même 9000 V-Bucks. Oh, ça coûte 2500! Ça va! Ça va en vrai, ça va. Oh, ce son, il est incroyable. Tu sais que tu vas ouvrir un truc de fou. Et normalement, j'ai des jokers garantis et un roi garanti. Donc c'est super bien. 2500 gemmes, bien évidemment avec le code créateur Romain. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, 70 jokers. Enchaîne avec 19 jokers rares, ok. On va avoir les jokers légendaires. On enchaîne. Des mini zappies ou la fournaise. La fournaise, j'ai vu que maintenant, il y avait qu'une petite crotte qui sortait de la fournaise. Alors qu'avant, c'était deux. Mais la crotte, elle a beaucoup plus de vie qu'avant. Beaucoup plus résistante. Mais je vais prendre des mini zappies qui sont bien plus bas level pour les améliorer. Du chevalier. Putain, le chevalier, c'est une bonne carte. Très, très bonne carte. En vrai, je vais prendre l'électro-spirit, hein, l'électro-esprit. Bah, cette fuite à barbare, en vrai. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était très méta. C'est quoi le mieux, en vrai, chat? Gel ou fuite à barbare? Comme ça, le chat m'aide. Et pour ceux qui regardent la vidéo, bah, vous aurez la bonne réponse si vous avez ce choix qui s'offre à vous. Et le chat, sans équivoque, le fuite à barbare est bien plus joué dans la méta. Bah, les gars, ça va partir sur un fût. Allez, s'il te plaît, la sorcière joufflue. Allez, please, j'ai deux légendaires. C'est obligé, elle est là. Les gars, je vous annonce, je vais dépenser toutes mes gemmes et tout ce que j'ai sur mon compte tant que j'ai pas cette sorcière. Vous avez bien entendu, les gars. Le pêcheur, vas-y, donne un pêcheur. Oui, en vrai, c'est bien le pêcheur. En vrai, je suis content. Allez, s'il te plaît, du roi, du lourd, la reine, le roi, je sais pas, la reine. La reine, let's go, let's go. Je crois que le roi des barbares est pas mal, mais là, on va rush la reine des archers, level 13. Les gars, sur cette vidéo, clairement, je vous l'ai dit, vous êtes pas prêts, je vais enchaîner jusqu'à ce que je la débloque. Quitte à remettre 100 euros. Normalement, en vrai de vrai, entre nous, on l'a dans ce coffre, c'est sûr. Allez, s'il te plaît. La sorcière bazooka, j'aime bien. Les flèches, c'est pas mal aussi, j'ai l'impression que c'est bien joué. Ah, Valkyrie ou méga gargouille. Alors, les gars, avant la méga gargouille, elle était dans tous les decks. Aujourd'hui, elle est... Je la vois pas. Je vois par contre beaucoup de Valkyrie. Donc j'ai tendance à vouloir prendre la Valkyrie. Est-ce que j'ai raison? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Qui regardait la vidéo, je compte sur moi ça. Allez, s'il te plaît, la sorcière joufflue. C'est obligé. C'est obligé, les gars. C'est obligé. C'est obligé. 100%. 100%. Après, j'ai eu des bonnes légendaires. La bûche, je peux la passer au niveau supérieur. En vrai, je peux me dire que j'ai dépensé 2500 V-Bucks. Ça, je sais même pas, ça représente combien d'euros, j'ai pas envie de savoir. Ne me dites pas. Ne me dites surtout pas combien ça vaut, s'il vous plaît. J'ai pas une savoir. Allez, s'il te plaît, un bon roi, enfin un bon champion. C'est des champions. Ok, let's go! Let's go! Eh, la reine. Mais ça se trouve, j'ai passé la reine level 2. J'aurai pas encore la sorcière joufflue. Mais il y a un bug sur le compte, c'est pas possible. Parce que normalement, t'es censé débloquer plus facilement les cartes que tu n'as pas. Logique, qui sont bas level. Regarde-moi sa gueule, quoi. Bah, j'ai qu'une parole, hein. Par contre, là, les gars, on est d'accord. C'est obligé à 1 million de pourcents. Que j'ai le chiffre 11, mais c'est énorme, je crois. C'est obligé que j'ai une légendaire, enfin que j'ai la sorcière joufflue, c'est obligé. Oh, la guérisseuse ou les Hellouf royaux. Ah, j'ai plus envie de prendre les Hellouf royaux, en vrai. Je les vois plus souvent. On enchaîne. Oh, les fripons ou les petits portugais avec leur petite moustache, très belle moustache. On va prendre les petits fripons. Passe level 13, nice. C'est plutôt, vous êtes plutôt armée squelette ou le chasseur? Je sais pas quoi prendre. Vas-y, armée squelette, Nick. Et dites-moi en commentaire c'est quoi le mieux entre les deux. Je suis curieux. Allez, s'il te plaît, la sorcière chouflue, Hamoud, Habibi. Mais gros, c'est... C'est bon, on est devenu mature, on veut pas de problème avec Supercell, on ne crie pas, on est calme. Même vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez quel âge maintenant? En commentaire, dites-moi, vous avez quel âge? Quand vous regardiez mes vidéos il y a 5 ans, vous aviez peut-être 12 ans, 13 ans,
14 ans. Je suis dégoûté, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Allez, un truc lourd, un truc lourd. Ok, on va prendre le gars, hein. Les gars, dans la vidéo, on leur dit pas. Je fais genre, je savais et tout, et c'est laquelle la meilleure. C'est laquelle la meilleure, les gars. C'est laquelle la meilleure, dites-moi, dites-moi. Chevalier d'or, ok, chevalier. Chevalier doré, chevalier d'or, ok. Donc les gars, vu que je suis un joueur pro, sachez tous que il faut prendre le chevalier d'or, bien évidemment. Et pas le chevalier à gauche, qui est totalement merguez. Donc vraiment, prenez le chevalier d'or. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Est-ce que vous pensez que j'étais crédible? Là, il manquerait plus que le monteur fasse une crasse et qu'il prenne le passage où je les arnaque. Et c'est bon, je suis ken. Dites que depuis le début, vous pouvez débloquer cette sorcière joufflue dans des coffres qui coûtent beaucoup moins cher. Mais vous croyez quoi? On n'a pas le temps ici! Méga coffre, let's go! Non mais les gars, après j'ai fait ça, je sais à 100% que je vais avoir le coffre, enfin que je vais avoir la sorcière joufflue dedans. Ok les gars, joker légendaire, putain je suis un putain de pigeon, let's go du PK, il y en a que 3, non, il y en a que 3. Les deux elles sont nulles hein, les deux elles sont nulles hein. Je sais pas si ça joue encore les decks cabane, putain j'adorais les decks spawn à l'époque, c'était incroyable. C'était trop drôle, il y avait des decks spawn qui étaient insane. Vas-y, cache goblins, parce qu'elle est plus bas level. Allez, par contre, s'il vous plaît, le bonheur, là, on va prendre les dragons squelettes. Parce que je les ai vraiment très bas level. Ici, on a le choix entre la guérisseuse ou le séisme. Mais vraiment, ils arrêtent pas de me caler ces deux cartes. Hein. J'en peux plus, on va prendre la guérisseuse armée. Oh, Hamoud! Ou du balloon, on va prendre Hamoud, hein. Direct, hein. Carte cancer, apparemment. Et s'il te plaît, Hamoud, Habib, donne-moi la sorcière joue. 100%, 100%. Je regarde même pas. 100%, les gars. 100% y'a... C'est bien les gars, on est une voleuse. Voleuse level 12, yes. Allez s'il te plaît, au moins un bon roi, au moins un bon roi. La reine ou le chevalier doré. Ok, la reine. Allez, faut qu'on passe la reine level 13. Allez s'il te plaît, Hamoud Habibi, qu'on en finisse. Oh là là, je dépense trop de gemmes. Ok, on va prendre les fripons. Et 8500 d'or supplémentaires. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais non, mais non, mais... Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Les gars, vous connaissez ma chance. 100%, 100, même 1 million de pourcents. Je vais pas avoir la sorcière joufflue dans ce coffre. Je vais pas l'avoir. Ok, les gars. Supercell, 100%, je ne l'ai pas. Vas-y, si je l'ai pas, j'ouvre un coffre chance après juste pour voir. Imagine, je l'ai au premier coffre, je deviens. Allez, allez, si. Là, ça commence à faire cher, là. Là, ça fait beaucoup de coffres. La vidéo, elle va durer une heure de pack opening. C'est un délire. Allez, s'il vous plaît, c'est bon. À un moment, c'est bon, la blague, elle est drôle. Mais j'ai dit, 100%, je l'ai pas. 100%, je l'ai pas. Allez, on essaye un coffre-chance. Un seul, juste pour voir ce que ça donne. Allez, s'il te plaît, coffre-chance, le bonheur. Et non, on va en prendre plus. On va prendre pour l'équivalent de 2500. Donc ça fait 2, 3. 3 coffres, 3 coffres-chance. 3 chances de débloquer cette fatiguée-là dans un coffre. Allez. Oh, 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 les gars, je crois qu'il se passe quelque chose. Je crois, les amis, qu'il se passe quelque chose. Enfin. Non, je me suis... J'ai pas le droit au bonheur. C'est un truc de fou. Allez, do it! Do it! Je vais chialer! Je vais chialer! C'est aberrant! Aberrant, frérot. Sorcière joufflue, là, qui veut pas pointer le bout de son nez! C'est aberrant, GMK! Gros, je te jure, j'ai plus de chances de gagner au loto que de la paquet, gros. C'est une blague. On y va, let's go. Allez, 4600 pips. 70. Je sais pas pourquoi. Je le sens pas, les gars. J'ai un mauvais feeling. Là, j'ai un mauvais feeling. Alors que depuis tout à l'heure, j'ai un bon feeling. Donc tout à l'heure, j'ai un bon feeling. Je l'ai pas eu. Là, j'ai un mauvais feeling. J'ai l'impression que je vais devoir recharger 100€. C'est peut-être bon signe. C'est peut-être bon signe. Et s'il vous plaît. Oh, l'électro-esprit. Putain, j'ai un mauvais feeling. Je vous jure, j'ai un putain de mauvais feeling. Non. On va prendre les petits gobelins, les petits farceaux. Il a la même tête que Farce Attack, je vous jure. On va prendre ici l'artificiaire. On enchaîne avec les géants direct. 76 géants. C'est 25 boulistes ou 25 gels. Bah, je pense que je vais prendre le. Ah, bah non, c'est de l'or supplémentaire. Il est max. Bah, on va prendre le gel. Le gel. Allez, s'il te plaît, la sorcière joufflue. S'il te plaît. Let's go! Let's go! Let's go! Voilà! Voilà! Putain, j'ai eu peur! Mais comme par hasard au dernier, comme par hasard, ils m'ont fait dépenser tous mes V-Bucks! C'est trop! Elle a même pas dedans! J'ai mis 200 balles pour la débloquer, elle a pas dedans! C'est trop! C'est aberrant! C'est aberrant! Je me fais rire moi-même, j'en peux! Je suis un putain de pigeon! Il va misclick! Non, attendez! Hop, voilà! Voilà, pas de misclick! J'ai cliqué direct, les gars, je veux pas de problème! Ok! Putain!
Putain, quel plaisir! Bon, bah, elle m'aura coûté... Putain, elle m'aura coûté cher, en vrai, hein. 200 balles, hein. Quasiment 200 balles, hein. Ok, let's go! Du coup, mes petites truites, vous arrivez à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, petit commentaire qui soutient également. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.